Et c'est un tonal. Ouais, bah je suis dans la merde. Allez, on débute la qualif. C'est parti. On va essayer de rééditer le 1.22 qu'on avait réussi à sortir tout à l'heure. Sur un malentendu. Non, lors d'une dernière vidéo. Toutes ces vidéos ne sont pas toutes les mêmes. Ah, c'était vendredi en 4. Allez. Ouais, samedi en huître. Mec, j'ai envie de moules frites. Avec ou sans citron? Les huîtres. Bien les moules frites. Moules frites. Non, sérieux, Emeric. Ah question bah. Sérieuse, t'aimes bien si on va manger ça ou quoi? Mais bien sûr que oui, à la crème avec du lardon. À la provençale comme les bouffes? Non. Mais où? Moi, oh, ça me va. Ah, mais non, mais avec Andy, on ira. T'inquiète pas que le soir, on ira manger à la. Oula. Cet excellent restaurant à proximité du circuit de spa. Oui, parce que même en vidéo, je vais en faire la pub. Allez, vas-y. Parce que payer 18€ pour. Eh bien, une pizza bolognaise avec 80 grammes de sauce bolognaise que vous achetez au Colruyt pour 59 cents le bocal ou au Lidl. Ils peuvent se la mettre au évidemment. Y'a que moi qui ai bien bouffé ce soir-là. Ah oui, Emeric, il a pris une assiette pas chère, 67€. Tagliatelle au mori. Avec deux lardons qui se battaient en duel parce qu'ils étaient tombés d'une autre assiette, quoi. Non, et mec, on crée plus qu'on est à payer. Oh, wait. Ok, here comes your first time glass. Avec la fausse formule en dessous, là. Dis-moi, c'était à Spa? Ouais. Grand moment. Ah bon. La pizza est restée au chalet, hein. Oui, c'est vrai. Je l'ai abandonnée, elle m'a coûté 12€. J'ai dit, mec, je la ramène chez moi, je la finis. Bon, deux jours après, j'ai fait, ok, mauvaise idée. Elle est rentrée toute seule. Elle est rentrée à la. Servie le lendemain, elle est aussi une végétarienne, monsieur. Faites attention. J'assume pleinement, c'était scandaleux. La serveuse, tu lui disais bonjour mademoiselle, je voudrais un iced tea. Et elle fait un iced tea, ok, mais j'ai pas eu le temps de dire pêche. Et là, j'ai pas eu le temps de m'en sortir, et c'est un off track. Ah, c'est une nouvelle boisson. Ouais, c'est le nouveau iced tea. Un off track sans sel, c'est compliqué par contre. Sel. Sel. Alors qu'on a perdu le doc qui rage sur son enregistrement dessus. Ah, vas-y, Stas. Il est en train de retourner tout son. Tout son appart. Ah là. Tu vas voir sur son Twitter, il va avoir un post, ça va être marqué. Parce que son clavier sera passé entre nous sur Twitter. Je cherche un poignet gauche si certains peuvent m'en offrir un. Oui, ceux qui connaissent le doc savent qu'il est fan de Audi. Ah oui. Il va te tuer, ça par contre. La décédence va être présente. Bon, allez, il nous reste un tour. On va essayer de pas dire de conneries, de se concentrer parce qu'il y a moyen de faire une belle qualif et de ne pas partir mieux que 19ème. One more lap. Je n'aurais fait qu'un tour. Je suis un bolo. Just give me. Oh, ça va, j'ai fait un tour en 1.21.700. Allez, ça c'est fait. Ça je préviens juste, hein, j'ai fait un tour en 1.20.760. Oui, mais en fait, je vous explique mon cas. Je roule, je fais mon premier tour qualif, 1.21.7. C'est parfait, j'ai jamais fait autant. Non, si peu plutôt. Ouais, je passe la ligne. Et je m'arrête, alors qu'il me reste un 1.20.2. Et le mec descend me fait one more lap. Je fais ouais. Et voilà. Il est marqué quoi sur ton carnet là? Ah, bon, alors. Il est pas content? Donc, du coup, je pars à 6ème place. Il va manger un frisbee, tu. Wow. Oh là, j'ai. Dans ah, mon... j'ai coupé. Oui, c'est moi. Dans ma course, j'ai Jean-Philippe Pelletier. Alors si Jean-Philippe d'ailleurs est francophone et regarde mes vidéos, tu pourras aller insulter Emeric, qui s'est moqué de ton nom. Non, je dis c'est Jean-Philippe Pelletier, et qui fait une P4 avec une 21-300, GG. Par contre j'ai Schema H, Aldo Dix. Mec, il va te faire tous les pages dehors, toi. Nacho Martinez, c'est Stayo. Ah, c'est lui l'espagnol qui arrête pas de crier dans le micro. Ouais, Xola, Jola, ouais. Eduardo Jorge Garcia Padro. Marcos, guitare, Goal, goal, goal. Attends, on peut voir les pays en plus. Emeric? Oui. Est-ce que tu lis à côté de moi? Tu n'es pas là. Dommage, tu lirais un 1.21.8. 1.21.7. Pom, pom, pom. En un tour. Appelle le doc. 1.27, hein. Après, je dis ça. Hey. Serveur, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je suis avec des Texans, des New Yorkais, des Canadiens.
chaque fois je fais une seconde de mieux, je suis 10 places en moins. Ah, merde. J'ai un belge. Non, je suis pas encore parti des box. À Monaco, ils sont partis de... Ils sont partis Good luck, everybody. Ils sont partis de Nice. Ah, Emric qui passe au niveau supérieur. Eh ouais, bad. Il a dit everybody. Attention, everybody. Je tente mon tour. Allez, play Pokémon Go, everybody. J'ai la chef. Good luck and don't try everything on the first corner. Push, push. You are funny, man. I know, but that's why it's fun. Et j'ai oublié de mettre ma première. Green, green, green. J'ai oublié ma première. Ah, c'est très drôle ce que je dis, mais mec, tentez pas tout au premier freinage, je fais ah, c'est marrant, mec. J'ai envie d'éternuer. Car on your left. Clear on the left. T'éternues, y'a 3 morts, hein. Ah ouais. Yellow flags at the back. Car on your left. Clear on the left. Ah voilà. T'as touché, Andy? Non, non, non. Ça va. Ah, vous avez déjà commencé, vous? On est parti là, il y a 2 secondes. Ah, nous, c'est pas encore. Nous, pas encore parti. On est parti bientôt au talus, mais ça, c'est dans quelques instants. Je suis P4. Avec une piste qui est très accrocheuse, bizarrement. Moi, je suis pénis. J'ai l'impression aussi que ça tient comme en essai libre. Il y a énormément de dérive. C'est sorti. Non, non, j'ai beaucoup de grippe aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils partent chercher son café ou quoi? Oh non! Oui, ah, encore une fois. C'est le mot qui s'est dit en anglais. Ok, j'ai un mec qui fait boum 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 pour le départ. Et le mec qui a dit le mec qu'Andy a percuté, c'est le mec. Ah non, pardon. Je croyais que c'était le mec qui a dit au début de la course qu'il a dit ne testez pas tout. Ne tentez pas tout, pardon. C'était français ce que j'ai dit. Bon, le mec qui m'a répondu tantôt. On est à 17 de front. Devant la fin du premier tour, le transpondeur. You're in the top 10. Ouais, je suis dans le top 10, je sais, c'est un événement, mon cher Jeff. Mais j'appelle mon spotter Jeff, en hommage à les fans de 2017. C'est chaud. Left side. Ouais, ça part à volo. Clear. Il y a des marrons, il y a des champions, c'est pourtant pas la saison. Car right. You're in the middle, whoa, whoa. Three wide. Watch out, watch out, watch out, come on. Seriously, man, seriously. Be careful, be careful. Et voilà, x4, allez, c'est pour ma gueule. Et je suis dernier, j'étais P3. Allez. Non mais le retour en piste des mecs, ils en ont la rien même. À battre. La même. Ils reviennent sur toi, nous on était déjà à deux de front. Moi j'étais entre les deux, je l'ai touché, j'en suis désolé, c'était vraiment pas ma volonté. Le mec qui freine en ligne droite, j'essaie de l'éviter et du coup Keep derrière. Bam, 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 bam. Allez. Trop compliqué, trop compliqué. Clear on the left. Non, steering, il est pas droit. C'est pas mon niveau. Et allez, j'ai pris un x4, bah on va essayer de rester avec ça. Qu'est-ce que c'est? Car on your left. Ouh, les je l'ai jamais vu. Keep to the right. Clear. Trash sel. Clear. Et on est niqué. Oh là là. C'est tellement chaud. Ah bah voilà. Car right, clear on the right. P10, je remonte P3 et en plus pour sortir comme un. T'en es où Andy? Bah du coup je suis P17 avec un tour de retard. À un tour carrément? Ah ouais d'accord. Bah je suis obligé de rentrer. La voiture a été déglinguée. Mais en fait, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, en gros on était l'un à côté de l'autre, proche parce que moi je voulais pas perdre de temps, j'étais à l'extérieur. Et le gros, en gros le mec c'est le mec a pris sa trajectoire comme s'il était tout seul. Donc il a. Ah ouais. Il est parti à l'extérieur du virage à la fin globale quoi. Ouais j'ai vu, bah j'étais derrière, hein, je suis arrivé sur vous, c'était chaud quoi. Le seul souci c'est que bah y avait pas de place. Y avait pas la place quoi.
J'ai un vis repetita de ce que Max a vécu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un gars se met entre le mur et son adversaire et il serre. Oui, voilà. Ouais. C'est ce que je viens de voir encore une fois devant moi. Donc, je gagne encore une place, je suis 7ème, mais nice. ça peut arriver à n'importe qui en fait, c'est ça qui dure. Je pense que on arrive dans une catégorie où les gens ont un certain niveau, mais. Mais pas d'intelligence. Non, c'est pas ça, c'est que ils essaient encore le petit geste. Ils ont pas la retenue qu'il faudrait, tu sais. Le geste t'as toujours. Mais moi je suis pareil, hein. T'as envie de te dire, allez, tu vas pousser un petit peu, tu vas toucher, etc. Mais voilà. Ah, tu peux pas. Mais tu peux pas. Et t'as encore ici les gens qui sont dans l'idée de te dire, allez, si je donne le petit coup là, il va comprendre. Et tant que t'as cette philosophie là, bah, ça donnera les petits accidents auxquels on assiste depuis le début de ces. Et le retour en piste, c'est hallucinant, franchement. Ça, c'est très compliqué. Mais moi, je suis parfois pas mieux parce que t'es perdu, parfois t'as pas envie de gêner, tu sais pas où te mettre. Parfois, c'est chaud. Mais c'est vrai que là, le mec, ceux qui regardent la vidéo, hein. Vous constaterez. Donnez-moi d'ailleurs votre avis en commentaire sur ce qui s'est passé. J'étais pris en sandwich. Les mecs qui claquent la marche arrière en pleine ligne. Chez nous, il y en a, ils jouent les spotters. Ils sont là, tri-wide. What the fuck are you doing, man? Oh oui, 3 tonneaux dans la ligne droite. Comment perdre cette position? Alors là, on a ce qu'on appelle un retour bureau. Ah. Moi, je viens d'envoler un petit code. J'ai pas pris d'alerte. Toujours derrière Ignacio. Il y a plus de gens qui se foutent dehors au premier gauche qu'autre chose finalement. Blue flag, please. Faut le savoir, sur ce jeu, il y a une course qui s'appelle la course de trop. C'est celle où... Alès, blue flag, please. T'es claqué et tout. Et pour moi, c'est celle-ci-là. Je suis à la course de trop. Mais t'inquiète, il est encore là dans 3 heures. Ah, je serai toujours là parce que je suis un abruti. Mais... Ah, Daniel va se faire report. Bonnes vacances. Ah, Guilherme, il est chaud, hein. Guilherme, c'est celui qui m'a répondu tantôt sur la grille, genre... mec, t'es marrant à vouloir que personne ne te foute dehors. Eh bien, regarde. Pardon. J'ai mal à la main. Je sais pas, écoute. Faudrait déjà pouvoir enregistrer une séquence de replay, parce que je n'ai pas encore réussi à faire. Alès Ostanek, blue flag. Non. Ah, il commence à parler au polonais, Emric. Blue flag. Vodka. Non, mais ça, c'était un cliché, mon cher Andy. Ah, et c'est un cliché pour la 12. Ça tourne bien, ces petites Mazda, mine de rien. C'est pas mal, le rapport fun, précision, puissance et tout. Il va pas bouger, hein. Il continue. Mais ça. Get out of the way, bro. Ah, ça va arriver. Attention, tu peux te faire report pour insulte, mon cher. Ah, non, mais il va avoir black flag, sinon. Ok. Le mec. S'il ne laisse pas passer, il a un black flag. Normalement. Ok. Colle lui. Je vais faire. You understand the black flag? Qu'est-ce que t'as eu, Andy? Ah, mais je me suis planté. Ah, j'ai un message en haut, mais je comprenais pas ce que c'était. De quoi? Il est marqué comme quoi tu as été. T'étais en dessous du niveau demandé, une connerie comme ça. C'est pas une vanne, hein? Ah, bah oui, effectivement. Unacceptable level. Mais t'es chiqué? C'est sûrement parce que j'ai pris trop de tout. Clear. Right side. Ça fout le sang. Clear. J'avoue la salière. Ah, tu vois, il y a l'autre belge qui pète un plomb. Il y a que les bleus en flag. Ah, et j'étais complètement kické, je peux pas vous regarder. Tu t'es fait carrément kicker du jeu. Oh, les deux roues. Idiot, f***ing idiot, f***ing idiot. Ah ouais, je suis passé de 2,70. Enfin, plus de 2,70 à 2,40. Ouh. En fait, quand j'y pense, iRacing, c'est vraiment le jeu pour ma philosophie de pilotage, en fait. Attendre. Quand t'y penses. Tu prends pas de risque et t'attends, et tu laisses les autres se foutre dedans. Ostanek, you have 3 blue flags. No understand. F***ing idiot. Mec, on parle les micros aussi, hein.
Ah bah tant pis, en plus d'avoir pas de niveau, ils ont pas les micros. Bah bravo les enfants. Moi j'ai très peur de ce qui se passe autour de moi. Enfin ça fait quand même plaisir, ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas retrouvé des lobbies ouverts de mecs propres. Et ça fait du bien. Je suis désolé hein, de dire ça si violemment, mais... Que ce soit les joueurs Forza, PK, Race Room ou n'importe quoi, ça fait du bien, messieurs. C'est vrai. Les moyens de pouvoir avoir de belles bagarres, c'est... Mais... Ouais, puis des faits de course, quoi. Tu peux avoir un mec qui se bagarre pendant 5 tours devant toi, c'est chaud, et puis il te fout dehors ou tu le fous dehors, voilà, quoi. Mais c'est la course, c'est pas genre... Ah, ni non, elle va me mettre dans le mur et tout. Non, c'est vrai, et pour ça, c'est clair. Ouais. Y a pas trop de vengeance. Pour l'instant, j'en ai pas vu une seule. Et pourtant, on roule depuis tout à l'heure. Et c'est parti. Allez, la pression. Clear on the right. On regagne une place. Maintenant, à nous de ne pas merder avec le draft et la voiture derrière qui revient très fort. Pour essayer de faire quelque chose, on s'ouvre un petit peu, c'est pas grave. À cause de ce... J'ai pris 9. Le mec, il trouve le dossier censure pour Emmerich. Ah, je suis désolé, mais le mec, il a un blue flag, ça fait 3 tours. Hein. Le mec, il se bouge pas, il part en tête à queue, il fait quoi? Il revient pile poil sur ma tronche, pile poil. Hello, right side. J'avais un bon ratio, mais il va prendre en masque. Hola, que tal? Hold your line. Je me prends un 3 wide. Clear on the left, 2 wide. Still there. J'ai toujours dit, je préfère lâcher une place que finir dans le mur. Et si je peux la gagner, vous inquiétez pas que je vais y aller. Keep to the left, clear. You got a slow car on the left. Car stop on the left. Right side. Passing right, passing right, passing right. Go, go, go. There's the flag, it's over. Great job, you did really well. On se retrouve, c'est à la 5e place finalement. Ce serait passé. C'est pas impossible. On va vérifier ça. Ah, j'ai plus de moteur, je suis tellement dégoûté. Alors... Ah ouais, on fait quand même une 5e place. Et bien voilà, dans notre qualification assez médiocre, on a pu avoir quelques belles passes d'armes. Ça a été chaud, je dois vous l'avouer, à la fin, on a failli se mettre dedans. Mais en tout cas, c'est une nouvelle course qui se termine et il y a eu de belles actions. Voilà, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette nouvelle course en ligne sur iRacing, du coup, dans cette aventure iRacing qu'on continue. J'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. C'est peut-être avec du changement, qui sait, on verra. D'ici là, portez-vous bien, bon amusement en piste, et à la prochaine. Salut. Bonne salaire.